Salut à tous les amis, c'est Popitox, j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 25 de Shadow of the Tomb Raider et du coup ben on va faire l'énigme. Voilà. On va bouger le chariot. Allez, c'est parti. Oh bah encore heureux que ça a marché, non? Marchez tant que vous avez la lumière, pour que les ténèbres ne vous engloutissent pas. Sûrement un indice. Une menace. Je dirais la Vierge Marie. Troisième station. Jésus rencontre sa mère. Ce miroir est poussiéreux. Attends, je vais t'aider. C'était un peu rouillé. Ça doit être la quatrième station. Oui. Jetons un œil à ces fresques. Je vais devoir orienter le rayon vers la fresque de Véronique. Regarde, quelqu'un d'autre est venu. Il a eu moins de chance. Ouais. Je vais devoir orienter le rayon vers la fresque de Véronique. Je crois que c'était plus qu'une crypte. Ah merde. Je suis mort comme un petit con. Je crois que c'était plus qu'une crypte. Je vais devoir orienter le rayon vers la fresque de Véronique. Là-bas, là. Parfois. Je vais devoir orienter le rayon vers la fresque de Véronique. Ça là? Oh putain. Cinquième station. Jésus tombe une deuxième fois. Je
C'est par là-bas. Hein. Lara, c'est bien ce que je pense. Encore les stations de la Croix? Mais avec des momies. C'est pas un peu sacrilège? Pas forcément, non. Ils rendent peut-être un ultime hommage. Ou bien ils étaient malades? Ça doit être la 6e station. Je dois orienter le rayon de gauche vers la scène de crucifixion. On dirait une église. Ces types ont l'air de moines. Je dois orienter le rayon de gauche vers la scène de crucifixion. Ah mais j'ai pas la lumière donc ça sert à rien. Je dois orienter le rayon de gauche vers la scène de crucifixion. Je dois orienter le rayon de gauche vers la scène de crucifixion. Ok. Ah j'ai compris. C'est surprenant qu'il n'y ait que cette station. Ça doit être inspiré d'une tradition ancienne. Le Christ est chargé de la croix, tombe une première fois et rencontre sa mère. Ensuite, Véronique lui essuie le visage avant qu'il ne tombe à nouveau. Il est enfin crucifié et mis au tombeau. Heureusement que Lopez n'est plus de ce monde. C'est dans sa vie. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. C'est pour nous, tu crois? Oublie un peu Lopez. Je dois orienter le rayon de gauche vers la scène de crucifixion. Jésus est cloué sur la croix. Je dois orienter le rayon de droite vers la scène où Jésus est cloué sur la croix. Je dois pousser cette barre. Voilà. Lopez s'est d'abord fait emmurer par ses disciples, et puis... Pas de témoin. Seules les mains d'un être légitime pourront saisir le destin des miennes. On parle de toi. Il nous a baladés pendant tout ce temps. Il a saboté tous les indices. Pour sauver la boîte des Trinitaires? Et des gens de Paititi. Il était consumé par son pouvoir. Mmh.
Ok. Allez, go. Voilà. Oh putain, une trinitaire. Où elle est? J'en sais rien. Il me faut cette boîte. Va te faire foutre! Bien, alors on a fini. Stop! Relâchez-le! Dès qu'il est libre, je vous donne la boîte. Lara, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu trop de gens mourir. Je sais, oui. Notre père était brillant. On me l'a arraché avant que je puisse le savoir. C'était mon ami. Mais il était obsessionnel et implacable. Vous ne le connaissiez pas. Il refusait de voir le potentiel destructeur de son travail. Il fallait y mettre un terme. Vous l'avez éliminé. Il risquait de conduire le public à Paititi. Tout ce que j'aime, tout ce pourquoi je me bats. Mon monde aurait été détruit. Et mon monde à moi ! Allons, Lara. Ça n'est pas comparable. Ça l'est, quand on n'est qu'une enfant. J'avais 9 ans ! L'enjeu était beaucoup trop grand. Une civilisation entière, des centaines d'années d'indépendance, des milliers de vies. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix ! Ce n'est pas trop tard. Faites honneur à Onuratu et restaurez le soleil. Non. La menace est bien trop grande. Vous êtes un sale assassin minable et égoïste. Et vous, Lara, combien de vies avez-vous prises? Et pour obtenir quoi? Là! Cours! Arrêtez-le! Allez, go. C'est quoi cette merde? Cours, tu viens de passer en courant? Ouais, je crois qu'on fait la même.
Hé, surtout pas. Si jamais il y a un truc qui change, il nous prévient pas. On rentre. Ce sera terminé. Un de moins. Ça brûle quand je respire. Putain de merde, il y a des cendres partout. Ça se passe. Voilà. Séparez-vous. Restez vigilants. Passe devant. Vous êtes là. Avec moi. Surveillez tous les côtés. Reste nombreux, garçon. Négatif. Rien du tout. Là, peut-être. C'est quoi ce truc? C'était... Voilà. Ici Rourke. On a repéré Croft dans la cour. Je répète, votre objectif secondaire est de neutraliser Croft. Ils l'ont laissée toute seule dans l'église. C'était le chaos là-dedans. Alors c'est comme faire cette cage. Oui, il a fait pour sauter la boîte. J'y crois pas. Elle est douée. Faut bien le reconnaître. Ouais. Si elle nous trouve avant qu'on l'ait chopée, t'inquiète pas. Voilà. Jonah, t'es où? Je suis dans le champ de canne à sucre. Ils peuvent pas me voir. Te fais pas repérer. J'arrive. Ok. Quoi ça? Champ de canne à toutes les unités. Cible prioritaire, Lara Croft. Vous avez entendu le commandant? Tout le monde en chasse. Croft, je sais très bien que t'es là. J'aurais dû descendre en Sibérie. Mais Dominguez n'était pas d'accord. Je peux comprendre qu'à moi-même. Mais je vais corriger ça. Maintenant. Elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà.
Croft en visuel. Elle est à la distillerie. Équipe Nikon, déploiement. Nikon, font chier, hein. On va la choper. Voilà. Je suis dans l'hélico, j'ai un pilote. Quoi ? Dépêche-toi. Attends, je ramasse les corps. Y'a quoi là? Y'a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... Donne-moi cette boîte! Oh putain! Tu vas bien? Ouais, ça ira. Ok. Jonah! Oh. Oh. Oh merde! Ah. T'es prêt? Ouais. Ok, c'est bon. Oh. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Si je l'avais été toi, ça aurait marché. Ils iront pas bien loin. Vas-y. Vas-y, ça ira. Oh là là là. Ah merde. Merde, merde, merde.
Voilà. C'est encore loin, Paititi? On y est presque. Je suis désolé pour la boîte. C'est pas de ta faute. C'est Dominguez, c'est les Trinitaires. Depuis le début, aussi loin que je puisse me souvenir, ça a toujours été de leur faute. J'aurais pu avoir une famille. Tout aurait pu être différent. On retrouvera la boîte et on arrêtera Dominguez. Majesté. Lara! Où est la boîte? Amaru l'a prise. Mais la mort du soleil approche. On la reprendra avant la fin du rituel. Ça ne va pas être facile. Il faut qu'on adapte le plan. Je t'en prie. Prends le temps de te préparer. On rassemble des hommes et des infos. Merci. Je vais rester pour aider Ushu. Préviens-moi si t'as besoin d'aide. Ok. Bon. Bon. Retour à la case départ. Du coup, les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr, faites ce que vous voulez. Moi, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mission disponible, ok. Par là. Et je vous dis à la prochaine. Ah, c'est quoi ça? Masse d'armes à 6 pointes, moulée en cuivre et prolongée d'une lame de hache. Une arme redoutable. Ok. Bon. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Shadow of the Tomb Raider. Bisous les amis.